Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Aujourd'hui, en mode club de l'actu avec nos invités. Mais d'abord, en focus, elle épelle les mots plus vite que son ombre. Arini Logan, c'est son nom, elle a 14 ans, a remporté il y a quelques mois seulement un prestigieux concours d'orthographe américain. Ce sera notre génération talent à suivre. Guillaume Grallet est avec nous, il a aujourd'hui un coup de gueule. Et un coup de gueule, j'allais dire un coup de gueule. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce que tu as des idées derrière la tech. Mais aussi aujourd'hui, tu as décidé de nous parler des gamers au grand cœur, et qui le prouvent chaque année avec The Event, plus de 10 182 000 euros à la clé, récoltés ce week-end pour des associations de défense de l'environnement. Oui, on ne sait pas trop où ils vont s'arrêter. Ça, l'aventure a commencé il y a à peu près 5 ans, et chaque année, eh bien, les gamers récoltent plus d'argent pour des super causes. On va en parler tout à l'heure. Absolument. Dans notre club actu, vous l'avez compris, aujourd'hui, en première partie, un Paris-New York en 30 minutes avec SpaceX. Est-ce que c'est la fausse bonne innovation de la semaine ? On va en parler puisque l'industrie aéronautique est priée de mettre le holà sur les émissions carbone. Est-ce que l'entreprise spatiale d'Elon Musk a déterré la fusée de guerre ? On le verra ensemble. Et puis, en deuxième partie, Starlink et SpaceX toujours, mais qui déploient cette fois-ci des satellites pour couvrir les zones blanches. Alors, on va lancer les premiers forfaits d'Internet satellitaire. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis surtout, Starlink veut-il la peau des télécoms ? Pour en parler à mes côtés, Stéphane Zibi, toujours directeur learning, digital learning du groupe Ionis, avec Ionis X, toujours évidemment chroniqueur dans On refait le Mac et sur RCJ. Et puis, en duplex de Marseille avec nous aujourd'hui, un petit nouveau dans le club de l'actu, Grégoire Kopp, fondateur de GRK, cabinet de conseil aux dirigeants en influence et communication stratégique. Est-ce que je l'ai bien dit, Grégoire ? Tout à fait, et je suis passé par Uber ou OVH, notamment en termes de boîte tech. Voilà. Et justement, ça va nous aider pour les sujets du jour. Mais d'abord, focus. Alors, combien de temps vous faut-il pour épeler 21 mots, messieurs, sans vous tromper, évidemment ? 21 secondes. 21 secondes pour Guillaume ? Ça dépend du mot. Ça dépend du mot. Eh bien, il n'a fallu que 90 secondes. Et c'est déjà un record à Arini Logan pour être sacrée championne 2022 du concours Spelling Bee. C'est le plus prestigieux concours d'orthographe dont les États-Unis sont férus. Cette Texane de 14 ans qui remporte la victoire après 3 participations infructueuses. Ça aussi, c'est une belle histoire de résilience qu'Edouard Deniau nous dévoile tout de suite. Elle est un symbole de résilience et de détermination. Arini Logan est une jeune américaine de 14 ans qui vient de s'illustrer en remportant le Scribes Spelling Bee, un concours national d'orthographe, le 2 juin dernier. Après avoir été éliminée au premier tour, elle a été réintégrée et Arini s'est frayé un chemin jusqu'en finale où elle a affronté Vikram Raju, un jeune garçon âgé de 12 ans. En finale, l'adolescente l'a emporté en épelant correctement 21 mots en 90 secondes, 6 mots de plus que son adversaire. C'était la 4e participation de Arini à ce concours. En 2018, elle avait terminé 323e, 30e en 2019 et 31e en 2021. À 14 ans, c'était sa dernière chance de soulever le trophée. L'adolescente, en 8th grade, l'équivalent de notre 4e, n'a jamais baissé les bras malgré ses échecs passés. Elle a continué à s'entraîner comme un sportif de haut niveau plusieurs heures par jour pour finalement remporter le prix cette année et les $50 000 promis au vainqueur. Arini Logan sait d'ailleurs très bien ce qu'elle va faire de cet argent. Une partie servira à financer les études de médecine qu'elle rêve de faire et avec le reste, elle souhaite créer un fonds d'aide aux jeunes des milieux défavorisés. Et tout de suite, le Club Actu ouvre ses portes pour sa première partie. Relier Paris à New York en 30 minutes. Los Angeles à Shanghai en 36 minutes. Ou encore, tiens, Sydney-Zurich, pourquoi pas, en 50 minutes. Vous en rêviez ? Eh bien, SpaceX prévoit de le faire d'ici 5 ans. L'entreprise américaine plonge sur des vols intercontinentaux en fusée. Messieurs, est-ce que vous serez les premiers à bord en 2027 ? Stéphane Zibi. Deuxième. Je laisse Guillaume d'abord y aller. C'est sympa. Et après, il me dit ça va. Okay. J'irai peut-être. Non, mais les chiffres sont impressionnants. La durée d'ici 5 ans, c'est demain. Mm-hmm. Ça paraît incroyable. En fait, non, j'ai repensé en lisant cette
cette news au moment où du Concorde. Parce que c'était la première fois où on avait une innovation qui était forte, qui était quand même 4h30 pour aller Paris-New York, et qui n'existait plus aujourd'hui. Maintenant, pour Paris-New York, c'est toujours 7h ou 8h, ça dépend si on va dans un sens ou dans l'autre. Et c'était la première fois qu'on avait une régression dans l'innovation et qu'on n'avait pas compensé cela. Donc là, c'est la première fois qu'il y a quelque chose qui pourrait compenser, potentiellement. C'est des chiffres énormes. Ça pourrait donner envie de voyager. Par contre, après, au niveau du climat, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais après, ça, c'est... Bah, tu te doutes bien qu'on va y revenir. Je sais bien. L'éco-responsabilité. Grégoire, tiens, est-ce que tu feras partie des 100 premiers Happy Few à monter dans une fusée Starship pour rallier New York en 30 minutes? Je ne suis pas certain. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens à se battre pour essayer d'y être et je laisserai se battre pour y aller. Parce qu'effectivement, c'est une innovation qui semble assez spectaculaire. En termes de durée, annoncer ça dans 5 ans, c'est demain, comme disait Karim. C'est quelque chose qui est une notion de rupture, mais qui amène toutes les questions auxquelles qu'on se pose aujourd'hui, notamment sur la raison d'être d'une telle innovation. Et si c'était il y a 5 ans ou il y a 10 ans, je ne pense pas qu'on se laisserait poser. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est la réception d'une telle information. On est à la fois enthousiaste et puis extrêmement interrogatif, cette innovation. Oui, tu as raison. Alors, celui qui a été extrêmement enthousiaste cette semaine, c'est Guillaume, puisque tu as rencontré la présidente, justement, de SpaceX, Gwynne Shotwell. Est-ce que son pari semble réaliste? Alors, en fait, il faut un peu se méfier lorsqu'on parle de SpaceX, globalement, des annonces d'Elon Musk, parce qu'on se souvient quand même qu'il avait un autre projet, nous faire aller très vite d'un point A à un point B, c'est le projet Hyperloop, qui est extrêmement prometteur, mais on attend un tout petit peu les applications. Là, je ne parle même pas de Neuralink, les puces dans le cerveau, etc. Donc, c'est enthousiasmant. On sait qu'ils peuvent nous surprendre avec les fusées réutilisables, par exemple. On sait par contre que là, si on va... plus loin, il y a deux grosses inconnues. D'abord, comment on va faire concrètement? Elle explique qu'on va aller vers le grand large, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser les aéroports classiques dans un premier temps. Et puis surtout, c'est au niveau effectivement énergétique. Lorsque je lui ai demandé quel carburant allait être utilisé par ces superfusées à usage d'un point A à un point B sur la Terre, eh bien, elle explique qu'on va utiliser le méthane ou encore l'oxygène liquide, mais elle n'en donne pas plus. Et là, c'est vraiment une interrogation qui est au cœur, une préoccupation qui est vraiment au cœur de tous les esprits aujourd'hui. Et on a besoin de plus d'éclaircissements ici. Bon, enfin, on imagine quand même que dans la mesure où on est dans la maison spatiale d'Elon Musk, on a pensé aux impacts, en tout cas carbone. On rappelle aussi qu'Elon Musk, c'est le patron de Tesla, des voitures donc électriques. Il a ouvert justement la porte à l'utilisation du renouvelable, notamment de façon plus massive dans les industries de la mobilité du futur. Et d'ailleurs, SpaceX, pour ses fusées Starship, avait déjà dévoilé ses ambitions en 2020. Souvenez-vous, regardez ces images. C'était cette idée de pouvoir apporter ses tout premiers vols, justement, intercontinentaux en fusée. Comme tu le disais, Guillaume, tout à l'heure, évidemment, on ne va pas pouvoir décoller depuis Charles de Gaulle et atterrir à JFK à New York. Il va falloir imaginer d'autres façons de pouvoir lancer ces fusées. On rappelle que d'ailleurs, c'est des fusées qui vont aller à 27 000 km/h pour rallier en un temps record ces destinations. Concrètement, vous imaginez ça comment, Stéphane? En fait, je me demande s'il faut, pour voyager, donc on avait besoin d'un passeport, on va avoir besoin d'un certificat médical, c'est sûr, avec des tests assez poussés. Et je ne pense pas que ce soit ceux de notre montre qui vont pouvoir être suffisants. Non, ça paraît... J'imagine en plus, au-delà de la poussée, etc., je pense quand même qu'il y a un petit entraînement. J'ai un vague souvenir, pas qu'un vague, mais on avait fait à l'époque, dans les années 2007-2008, un site pour EADS qui parlait et qui, à l'époque, on parlait des premiers vols, comment on appelle ça, spatiaux, on appelle ça comme ça, là où il y avait donc Virgin Galactic. Ouais, le tourisme spatial. Le tourisme spatial, voilà. Ouais. Et en fait, il y avait une semaine de préparation dans le sud, pour qu'on aille dans le sud tunisien pour pouvoir conditionner les gens qui iraient. Donc je savais qu'il y avait un petit moment. Donc en gros, s'il faut se préparer une semaine avant de faire un Paris-New York, c'est sûr qu'on ne va pas le faire comme on prend un RER. Donc j'ai du mal, en fait. C'est vachement bien. Moi, c'est les 5 ans qui m'étonnent. Ouais. Voilà. Ouais. Parce qu'ils sont capables de tout, comme tu l'as dit. Bon, ils sont capables de tout. Mais quand même, je pense quand même que physiologiquement parlant, c'est un peu quand même difficile d'imaginer que quelqu'un peut encaisser 27 000 km comme ça. Déjà,
quand on fait du bateau et que ça secoue un petit peu, on a envie de... Voilà, quoi. Donc, on ne t'emmènera pas en bateau sur les côtes françaises, ne t'inquiète pas. Grégoire, par contre, pour le coup, on parle de ces 5 ans qui paraissent extrêmement courts. Ici, en plateau, en tout cas, à Stéphane et à Guillaume, on rappelle que, évidemment, SpaceX n'est pas le seul à plancher sur le sujet, en tout cas sur, sur le sujet de la mobilité du futur. Tu rappelais toi aussi tout à l'heure, notamment ta participation chez Uber. Uber avait aussi des intentions en matière de eVTOL. C'est cette industrie qu'on baptise de cette façon-là parce qu'on parle des drones qui vont pouvoir transporter des passagers. Il y a une autre entreprise qui devait faire décoller des taxis volants, vélocoptères, à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024. On se rend compte que même s'ils développent cette technologie depuis 7 ans, ce ne sera pas le cas pour les vols de démonstration à venir. C'est avant tout des technologies qui prennent du temps pour ces acteurs de la mobilité du futur à pouvoir développer. Tout à fait, parce que en fait, c'est la théorie qui se confronte au réel. La théorie, c'est bien, et heureusement qu'on a des innovateurs qui pensent, qui vont faire bouger les lignes, qui vont aller plus loin. Sauf qu'une fois qu'on met la théorie à disposition du public et qu'on veut la faire rentrer dans la vraie société, se posent plein de questions. Vous parliez à l'instant de choses très concrètes qui étaient effectivement les capacités physiologiques à supporter une telle accélération. C'est peut-être pas pour rien que les astronautes, pendant des années, vont s'entraîner avant de partir. Et donc, si on doit s'entraîner une semaine avant de prendre un vol qui va durer 30 minutes, ben, peut-être que je préférais prendre mon vol de 6 heures et pas m'entraîner. Ça, c'est au niveau du corps humain, mais après, au niveau évidemment des régulations. Dans quelle mesure est-ce que un, les pouvoirs politiques, les pouvoirs publics, et deux, les entreprises existantes vont laisser faire ça. Une telle innovation de rupture, si ça se fait de manière très simple, fluide, et que ça ringardise en un seul instant l'ensemble des compagnies aériennes, je peux vous assurer que le lobbying des compagnies aériennes pour maintenir leur activité va être très fort. Et donc, dans les processus de régulation, d'autorisation de ces avancées dans les transports, et le drone est un bon exemple. Le drone aujourd'hui est un drone qui est à la fois militaire au départ, puis civil, n'importe qui peut s'acheter un drone. Donc c'est quelque chose qui est déjà très simple d'usage, très accessible. Et c'est pas très compliqué d'y accrocher des médicaments pour les livrer dans des montagnes. Voilà, c'est les premières expérimentations qui ont lieu. On peut faire plein d'autres choses avec, mais si des drones se baladent au-dessus des villes et risquent de tomber à chaque instant, eh bien ça va créer des problèmes. Chez Uber, on avait lancé Ubercopter qui permettait notamment, quand on arrivait à l'aéroport de Nice, de rallier Cannes en quelques minutes. Pourquoi on a pu le faire? Parce qu'on était au-dessus de la mer, on n'était pas au-dessus des terres. Donc c'est des choses qui sont à la fois en termes très pratiques, très complexes à mettre en œuvre, d'où, et là je peux prendre le pari ce soir, dans 5 ans, ça ne marchera pas. Il n'y aura pas, dans 5 ans, opérationnellement, ces fusées accessibles à tout le monde à ce prix-là. D'ailleurs, on ne connaît pas le prix, une petite parenthèse aussi, qui a peut-être limité le nombre de personnes qui pourront le faire. Ouais. Et puis je termine sur, si on dépasse le pratique, y a aussi le côté philosophique. Est-ce réellement souhaitable aujourd'hui de proposer ce type d'innovation? Et donc, est-ce que parce que c'est possible, c'est souhaitable? Est-ce que c'est parce que c'est possible, c'est faisable? C'est ça les vraies questions qui vont être amenées à se poser et que la nouvelle génération se pose de plus en plus. Oui, tu as absolument raison. Et c'est vrai qu'entre le rêve et la réalité, Guillaume, il y a une variable aléatoire qui s'appelle, Grégoire le rappelait, la régulation. Oui, la régulation, l'environnement, j'ai envie de dire en premier. Alors là, garantie que ça polluera moins, mais on attend de voir des chiffres, des véritables études, parce que même si elle est ingénieure en aérospatiale, là, c'est plutôt du wishful thinking, c'est-à-dire que c'est du déclaratif. Et on parle de Gwynne Shotwell, qui est la présidente de SpaceX. Oui, voilà, exactement. Ouais, exactement. Et puis, effectivement, la régulation, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on parle de taxi volant qui décolle à la verticale, comme la eVTOL, ça fait rêver. En tout cas, c'est quelque chose qui est absolument génial dans l'imaginaire, mais ça pose énormément de questions en termes de régulation de trafic. On ne sait pas si on aura la puissance de calcul nécessaire. Et puis, il y a quelque chose, justement, chez Uber, qu'on m'avait expliqué, c'était l'acceptabilité, c'est-à-dire cette pollution visuelle, le fait de se déplacer dans la rue, de se déplacer à la campagne et d'accepter de voir au-dessus de ses têtes des drones, des taxis volants. Est-ce qu'on est prêt à tout ça? Pollution visuelle et pollution tout court, évidemment. Messieurs, vous le rappelez là aussi. On a une mobilité du futur qui est de plus en plus éco-consciente et il faut justement s'en réjouir. Mais une mobilité éco-consciente, c'est antinomique. Je pense que de toute façon, on trouvera tous des. J'espère qu'on trouvera des solutions. Parce que quand même, on ne va pas s'arrêter de vivre. On va bien continuer à aller au bout de la Terre, parce qu'on aura envie d'aller au bout de l'autre bout de la Terre. Il faudra qu'on trouve des solutions qui soient, bien sûr, plus compatibles avec les exigences liées au climat, bien évidemment. Mais je revenais. J'écoutais Grégoire et Guillaume tout à l'heure parler, et en fait, je me disais, je repensais au copain de mon fils qui a 22 ans,
qui limitent leur voyage en avion déjà maintenant, parce qu'ils préfèrent prendre un train ou au pire une voiture électrique partagée pour voyager, pour aller quelque part, c'est imaginer. Donc en gros, est-ce qu'on leur dit, voilà, il y a un Paris-New York en 30 minutes ou un Sydney je ne sais pas quoi. Peut-être Sydney, ça pourra les intéresser, parce que 50 minutes versus 24 heures, c'est peut-être intéressant, mais quand même. Donc non, en gros, tu étais en train de traiter Elon Musk de boomer, quoi. Non, si je comprends bien. C'est un disrupteur. Mais là, je pense que 5 ans, et à quel prix, ça a été dit. Voilà, je pense que, en effet, c'est mieux de passer 6 heures ou 7 heures sur un, sur un Paris-New York sans entraînement et d'y aller quand on a vraiment envie, plutôt que de penser que c'est un RER. Bon, nous, on va encore plus vite, en tout cas, à Marseille avec Grégoire, grâce à notre duplex par Skype. Et Grégoire, tu le rappelais tout à l'heure, évidemment, en ligne de mire, SpaceX a peut-être, même certainement, l'industrie aéronautique et les tient à témoin innovations qu'il est capable, lui, de mettre sur le marché, sauf que cette industrie aéronautique aussi le regarde en chien de faïence. On se rappelle notamment de l'alpha et l'oméga de la nouvelle Commission européenne qui s'appelle le Green New Deal, qui est vraiment la partie de régulation qui impose désormais dans chaque législation une partie éco-consciente et éco-responsable pour les futures politiques européennes. Et aussi, on se rappelle du fait que les plans de relance sortis des confinements pour l'industrie, justement, la mobilité ont été conditionnés à l'utilisation d'industries d'énergie renouvelable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on risque d'avoir un bras de fer entre ces deux parties de l'industrie qui ont du mal à se comprendre parfois? Peut-être, mais ça veut pour moi surtout dire qu'on est sorti d'un moment d'euphorie technologique, au sens où toute innovation était par définition bonne à prendre. Ça disruptait le passé, un passé qui était poussiéreux, qui était obsolète. Et aujourd'hui, on se rend compte que toutes ces innovations ont des externalités négatives à prendre en compte. Et on est dans un moment où, via les politiques et via ces nouvelles régulations, on rend obligatoire la prise en compte d'externalités négatives, notamment environnementales, mais aussi sociales. On sait très bien qu'il y a beaucoup de produits de consommation courante qu'on achète qui viennent de Chine, qui ont et voyagé, et pollué, et fait travailler des personnes dans des conditions qui ne sont pas acceptables selon nos critères démocratiques européens. Et donc, tout ça fait en sorte que ces nouvelles innovations qui, sur le papier, peuvent sembler géniales, eh bien, à mettre en œuvre, ce n'est pas si simple que ça. Et puis, ce n'est pas sûr qu'on ait vraiment envie au final. Donc, je ne sais pas comment voyager les jeunes demain, et j'espère qu'on pourra toujours voyager, mais je pense qu'à chaque moment où on fera un voyage, un déplacement, on pensera à ce que ça coûte aussi, et on y réfléchira peut-être à deux fois, et peut-être qu'on aura des moyens de compenser le bilan carbone négatif d'un déplacement plus efficace qu'aujourd'hui, mais je pense que tout le paradigme change, et pour finir, est-ce que sur ce sujet-là, ce ne seraient pas les politiques qui rendent un petit peu has-been et obsolètes les innovateurs, qui continuent d'innover sans se soucier des conséquences de ce qu'ils font, et qui font de l'innovation, en fait, pure. Voilà. Quand on fait un truc dans un labo, c'est pas la même chose que le donner pour les citoyens. Et donc, d'une pensée technologique, il faut arriver à une pensée sociétale et démocratique complète. Sinon, ça pourra pas être, ben, faire adhérer les gens et ça pourra pas fonctionner au final. On l'a vu notamment avec certaines innovations comme Uber sur les taxis volants. Ouais, et je vois Guillaume d'ailleurs en plateau ici qui boit tes paroles, Grégoire. Oui, en fait, c'est que le petit pied de nez que je trouve très intéressant en ce moment, c'est qu'on voit cette effervescence technologique qu'on a par ailleurs envie d'encourager, parce qu'on a quand même envie qu'il y ait quand même de l'innovation. Au passage, je voulais juste signaler une start-up française qui s'appelle EOL, qui est basée à Vannes dans le Morbihan, qui elle réfléchit à mettre au point des films photovoltaïques sur des voiles pour avoir un trimaran qui ne consomme pas, en tout cas qui soit autonome. Alors, on va voir si on peut recycler cette voile notamment. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en ce moment, il y a cette course en avant de SpaceX qui peut-être au passage veut convaincre des investisseurs, lever plus d'argent. Ça fait peut-être un peu partie de leur communication. Ce serait un jeu de levier. Voilà, peut-être. Oh, bah, donc, et puis en même temps, on voit aussi une course vers le métavers dont on ne sait pas trop à quoi il va ressembler, mais dont une des promesses, c'est effectivement de ne plus avoir à voyager physiquement pour se retrouver en réunion avec quelqu'un ou pour partager des expériences. Ah, donc le Paris-New York en 30 minutes, c'est en métavers, hein. En réalité, tu vois, t'es de plus en plus déçu, j'ai l'impression d'être sur ce plateau, Stéphane, en prenant ces infos-là. Ça nous ramène aussi aux efforts qu'ont fait des avionneurs, notamment européens et français, Airbus, qui dévoilait il y a encore quelques mois les premiers prototypes, en tout cas modélisés, de ces futurs avions à hydrogène. Là aussi, on peut se dire que finalement, ce que tu décrivais, Grégoire, comme une source justement de compétition et peut-être aussi d'affrontement interne, ça peut être aussi une émulation saine pour aller vers plus d'innovation, encore une fois, éco-responsable, Stéphane? En tout cas, c'est sûr qu'il y a un truc
ou qu'on ne peut pas enlever à Elon Musk, c'est que c'est un agitateur et que ça nous permet quand même de nous faire réfléchir sur tout un tas de choses. Quand on repense quand même que Tesla, les premières Tesla coûtaient cher et en fait ça payait la R&D pour justement, entre autres, pour améliorer la puissance et la longévité des batteries. Je pense qu'on va peut-être y arriver et qu'il va y arriver et que potentiellement on aura l'équivalent de la recherche de Tesla dans nos téléphones bientôt et que peut-être on arrêtera de pester auprès de ceux-ci parce que ça s'arrête auprès là. Donc peut-être que là, ce qui est en train d'être fait, c'est peut-être tous les transports et tout le secteur qui en profiteraient, donc il faut être un peu positif. Voilà, et je pense peut-être que ça pourrait être une émulation totale pour Boeing et pour Airbus en particulier. Après, bon, je sais pas, je sais que toi, tu vas parler avec la femme de la CEO. Donc, mais très rapidement, je pense que Grégoire a raison dans le sens où les politiques ont de plus en plus leur mot à dire sur ces innovations. On sait à quel point Elon Musk doit aux commandes publiques, à la fois pour Tesla, un peu pour SolarCity. Effectivement, savoir à qui on commandera des innovations, ça va sans doute déterminer ce qui sera appliqué. Absolument. Et vous allez dire qu'on est omnubilé par Elon Musk, mais ça fait partie de l'actu. Donc on va aussi parler de Starlink qui appartient à SpaceX dans la deuxième partie du Club Actu. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Tout de suite avec notre Elon Musk à nous, Edouard Deniau. Bonjour à tous et on se retrouve évidemment toujours sur le plateau de l'école du futur. Vous êtes entre de bonnes mains puisqu'aujourd'hui, vous le savez, c'est notre formule Club de l'actu avec Stéphane Zibi, directeur de Ionis X, également chroniqueur pour On refait le Mac et RCJ. On est aussi en duplex depuis Marseille avec Grégoire Kopp, directeur et fondateur du cabinet GRK, conseil aux dirigeants en influence et communication stratégique, que c'est bien dit. Et puis Guillaume Grallet, évidemment toujours à nos côtés, rédacteur en chef au magazine Le Point, chroniqueur dans l'école du futur. Guillaume qui aujourd'hui, pour cette formule, a un coup de cœur, mais aussi un coup de gueule. Et ce coup de cœur, j'ai un peu savonné dans l'introduction, mais oui, c'est un coup de cœur en vrai parce qu'on va parler des gamers au grand cœur, les gamers de The Event qui, pour une nouvelle édition, ont décidé d'animer Twitch pendant tout un week-end. Ça s'est passé ce week-end d'ailleurs. L'idée, c'est de récolter justement des fonds pour des associations. Cette année, les associations étaient celles de défense de l'environnement. Oui, c'est ça. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, Marjorie, on a vu plus de 10 millions récoltés en 50 heures de diffusion.
diffusion en direct, puisqu'on voit véritablement les streamers parler à leur public, soulever des enthousiasmes, et on voit cette préoccupation environnementale qui est au cœur de tous les esprits aujourd'hui. Ça a même créé une petite polémique, puisque Emmanuel Macron a voulu adresser un coup de chapeau à cette initiative. C'est pas faux. Et voilà, on sait qu'il aime bien le e-sport, par exemple, mais certains streamers, certains participants ont vu dans cet encouragement une volonté de récupération politique. Donc on voit que le sujet reste très sensible. Absolument, ça reste assez sensible et on l'a vu notamment en direct sur Twitch. Vous pouvez évidemment vous référer aux extraits qui sont encore un peu partout sur toutes les plateformes sociales. Coup de cœur, oui, mais coup de gueule aussi parce que ça nous rappelle, et même si The Event a levé plus de 10 millions d'euros pour ces associations de défense de l'environnement, que peut-être ça ne va pas assez vite du côté de la tech en matière de sobriété. C'est-à-dire qu'on voit quelques petites bonnes nouvelles. Hein. C'est l'Agence internationale de l'énergie qui l'a signalé récemment. C'est-à-dire qu'il y a plus de personnes aujourd'hui qui travaillent pour les énergies renouvelables que pour les énergies carbonées. Mm-hmm. Mais en même temps, il y a eu un sondage qui a été réalisé par l'usine Nouvelle avec le cabinet Layton. Et ce sondage, il révèle que c'est les préoccupations environnementales, la volonté d'investir dans les technologies, dans les énergies renouvelables, ne concerne que 59% des personnes qui ont répondu à ce sondage. Donc, en fait, cette étude montre que, de manière très concrète, dans le monde professionnel, on pourrait aller plus vite. Et je rappelle que c'était aussi un des sujets que tu avais choisi de traiter à nos côtés la semaine dernière, Stéphane, cette sobriété énergétique, le fait de se dire que peut-être que de temps en temps la tech peut être un peu précurseur ou bon élève justement sur ces questions, force est de constater qu'on ne l'y est toujours pas. Non, ce qu'on utilise de plus en plus, c'est qu'en fait, en utilisant de plus en plus, il y a une forme, comme on dit, d'insouciance qui avait été un mot employé par le président, justement, il y a quelques temps de cela. Et on ne se rend pas compte que derrière, les data centers, la bande passante, tout ce qu'on utilise au quotidien, ça a une valeur énergétique. Et comme ils sont surutilisés, on condamne les avions et les grands moyens de transport. Finalement, on arrive à une somme totale qui est équivalente, ou quasi équivalente. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention. Et c'est pour ça que nous tous, nous pouvons faire ces petits gestes, parce que nous tous, on aura un impact, et c'est ça. Et donc la façon dont on arrivera à déjà diminuer notre usage au quotidien et après à compenser, peut-être on arrivera, je pense, à des solutions plus rapides que ce qu'on peut exiger, parce que si on doit attendre les politiques, voilà, je dis rien. Complètement. Ne dis rien. Grégoire va le dire peut-être à ta place. Grégoire, ça veut dire aussi que quoi? Que la sobriété, c'est définitivement le mot de l'année pour l'économie numérique? Ça veut dire que c'est le mot de l'année pour tout le monde. On rentre dans une ère qu'on ne pensait pas connaître, avec des questions qu'on ne pensait plus jamais avoir à se les poser. Et pour moi, la question n'est pas seulement sur moins de dépenses énergétiques. On va continuer de vivre comme on le fait parce qu'on est inadapté au changement et on ne changera pas en arrière. Donc soit on ira dans le mur parce qu'on va continuer à utiliser des énergies non renouvelables, fossiles, et on va simplement épuiser la baignoire, il n'y en aura plus un moment, ou alors on va trouver d'autres solutions. Et c'est là que je suis beaucoup plus enthousiaste, et que je pense qu'on va trouver ces autres solutions et qu'on n'aura pas envie de se brider. Mais il y a plein de choses à inventer encore pour créer des nouveaux flux d'énergie qui vont nous permettre de consommer, mais en toute autonomie et indépendance. Et on voit qu'il y a des choses qui ont émergé, que ce soit aussi au niveau des éoliennes, que ce soit au niveau des toits recouverts, mais comment est-ce qu'on peut accélérer ça? Ça sera par deux choses. Non pas parce que les politiques sont trop en retard, les politiques font ce qu'ils peuvent, et c'est compliqué, il y a des administrations, et c'est un autre temps que le temps de la technologie, mais les politiques vont pouvoir s'appuyer sur des innovations technologiques qui vont être menées par justement des start-up. Voilà, avant Guillaume parlait d'un catamaran avec des voiles qui permettraient de récupérer l'énergie solaire, c'est génial, et il faut vraiment accélérer là-dessus. Et donc j'espère qu'on va pouvoir mettre de l'argent et des moyens pour que ces innovations qui viennent changer l'ordre établi de la fourniture d'énergie puissent prendre une part beaucoup plus importante. Et en vrai, la question, c'est passer à du non renouvelable, à du 100% renouvelable, quel qu'il soit. Allez, innovation, il va encore en être question dans la deuxième partie de notre Club Actu. C'est tout de suite. Et pour cette deuxième partie, on va parler d'Internet
satellitaire. Oui, vous avez bien entendu, puisque depuis quelques jours, on peut voir dans le ciel, un petit peu partout dans le monde, une succession de lumières blanches qui traversent à toute vitesse. Alors non, ce ne sont pas des ovnis, c'est juste Elon Musk. En tout cas, SpaceX et sa société Starlink, le déploiement de ce projet qui s'est intensifié depuis la mi-août dernière, l'objectif, c'est de créer une constellation géante autour de la Terre pour fournir une connexion Internet et téléphonique à haut débit jusque dans les régions les plus isolées. Ça s'appelle l'Internet satellitaire, Guillaume, Stéphane, Grégoire. Ça veut dire quoi exactement, techniquement, Guillaume ? Je pense qu'une partie des Ukrainiens s'en sont servis de manière très concrète. Hein. C'est à la demande de notamment Volodymyr Zelensky que Starlink a mis à disposition ses communications qui, dans certaines zones blanches, peuvent permettre d'accéder, lorsqu'on est privé d'autres moyens de communication, à Internet, au téléphone. Aujourd'hui, c'est une constellation qui n'est pas totalement terminée. Hein. Il y a seulement 3000 satellites qui ont été déployés. 3000 sur un objectif de 40 000 voilà, en orbite basse, mais c'est effectivement beaucoup, tu as raison Stéphane, il faut faire attention à plusieurs choses, effectivement peut-être là aussi la pollution spatiale, les débris spatiaux qui vont être engendrés, et puis le coût, parce que si certaines opérations peuvent être faites pour des raisons humanitaires, eh bien il y a quand même un coût certain pour l'abonné qui veut s'en servir au quotidien. Alors ça veut dire qu'avec cet Internet satellitaire, si je vous entends bien, ça veut dire que c'est une forme de connectivité qui va prendre le relais quand les opérateurs télécoms sur les réseaux de, les réseaux de génération 3G, 4G ou 5G, on va d'ailleurs se demander où elle est passée, cette 5G, ne peuvent plus fonctionner, l'Internet satellitaire peut prendre le relais. L'idée d'ailleurs d'Elon Musk et l'objectif et la mission déclarée, c'est de mettre fin purement et simplement aux zones blanches, Stéphane. On parle de connexion universelle, là. On a, entre le Wi-Fi et les connexions cellulaires, on a déjà beaucoup de choses qui sont couvertes. Bien sûr, il y a des zones qui ne le sont pas. Mais le fait d'être abonné à Starlink nous rendra totalement indépendant et pouvant nous permettre de nous connecter. Maintenant, il faut moduler un peu ce propos parce que même lui-même, quand il a fait ce tweet le 26 août à 2h du matin, il disait « Ouais, super, en 2023, on aura une connexion qui va couvrir les zones blanches. Mais aussi, il a fait dans un second tweet quelques minutes plus tard, attention, le débit sera de 2 ou 4 mégas. Donc en gros, on pourra faire que des appels d'urgence ou des SMS. Et voilà, et donc ça, je pense que faut aussi, il n'y aura pas l'un qui va effacer l'autre. Peut-être qu'ils amélioreront le débit, comme on avait un débit au début avec des connexions RTC qui valaient rien. Peut-être qu'on aura ça dans je ne sais pas combien d'années, là, par exemple. Je ne sais pas s'ils vont fixer 5 ans, là, comme pour les vols à Paris-New York. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est, là, pour le coup, qui n'est pas utopique, qui est l'année prochaine, donc c'est demain, ou même dans une seconde, dans notre monde. Et ce sera très utile pour apporter, pour localiser des gens qui sont perdus en montagne, quel que soit le truc. Ça, c'est formidable. Et là, pour le coup, il faut le remercier. Il ne faut pas le critiquer, je pense. C'est plutôt bien. Et là, les opérateurs ne pourront pas grand-chose, mais plutôt s'appuyer sur eux. Et compléter les abonnements, peut-être. Et compléter, alors on va le voir justement avec les offres qui viennent juste d'être lancées, notamment aux États-Unis. Mais Grégoire, d'abord, mettre fin aux zones blanches, c'est un vœu pieux. Pourquoi ? Veut-on mettre fin aux zones blanches ? Pourquoi est-ce que le fait qu'il y ait encore des zones blanches serait un réel handicap, quelque chose de problématique ? C'est ça la question. Donc la question de l'utilité, cette innovation, elle sera utile si, à nouveau, les externalités négatives engendrées par sa création ne sont pas supérieures à l'utilité que ça apporte. Pour résumer, à quoi ça me sert ? Et est-ce que tous les problèmes que ça peut créer, environnementaux, de collision dans l'espace, de régulation, vont pas être supérieurs à l'innovation ? Et oui, ça va être utile. Et oui, je pense que s'il y a moins de zones blanches, tant mieux, parce qu'effectivement, il y a des cas marginaux. Quand on est sur un bateau au milieu de l'océan, quand on est perdu en montagne, ça va être utile. Mais c'est infinitésimal. Donc, pour en faire un projet global, il faut qu'il y ait une utilité qui soit bien plus grande que ça. Et donc, et je pense que ça fait partie de la logique d'Elon Musk, parce qu'on ne peut plus réfléchir autrement aujourd'hui. Quels sont les points négatifs de ce nouveau produit ? Qu'est-ce que ça coûte de le mettre là-haut ? Et après, comment je me rembourse ? Parce que s'il fait ça, ce n'est pas pour être un bon samaritain, c'est pour que tout le monde soit connecté et donc que tout le monde puisse utiliser d'autres produits et qu'il puisse retomber sur ses pattes en vendant ça à des opérateurs de télécom ou à des particuliers. Donc, il y a un business model derrière. Et si ce business model, c'est juste de toujours consommer plus, mais on ne sait pas trop pourquoi, ce sera vain et la nouvelle génération ne l'acceptera pas. Donc, vous pourrez consommer plus partout dans le monde. Oui, mais pourquoi et à quel coût ? C'est ça la vraie question.
Alors, on va regarder justement, tiens, le détail des prix, puisque tu nous le proposes, Grégoire. Il y a d'abord un premier forfait qui a été lancé sur le territoire américain. Ça, c'est pour le grand public, avec T-Mobile, pour ne pas citer l'opérateur pour le coup. L'idée, c'est en effet de pouvoir proposer à l'ensemble des abonnés T-Mobile cette option d'Internet satellitaire. Les prix ne sont pas encore tout à fait fixés, tout à fait dévoilés. Par contre, on a une meilleure idée de ce que ça peut représenter pour les entreprises, puisque, encore une fois, avec le déplacement de la présidente de SpaceX en France au début de cette semaine, eh bien, on a pu avoir des précisions justement sur ces prix proposés aux PME, notamment françaises. Un abonnement mensuel en France qui coûterait 50 euros, oui, mais attention, il faut d'abord acheter l'antenne qui va avec et qui, elle, coûte 480 euros. Est-ce que c'est compétitif par rapport à la fibre, par exemple ? Je ne connais pas assez le marché. Comment ça, vous ne connaissez pas assez le marché ? Pas assez le marché professionnel pour savoir si c'est compétitif. Ce que je vois, en tout cas, c'est qu'il y a une politique très agressive. Et la présidente de SpaceX n'était pas là par hasard, parce qu'effectivement, elle revenait de vacances en Irlande, mais elle en profitait pour multiplier les... On espère que ça a été sympa l'Irlande pour elle. Pour multiplier les rendez-vous professionnels. Ce qui est sûr, c'est que dans le marché professionnel, ça inquiète d'une certaine mesure les opérateurs. Mmh. Certaines personnes, par exemple chez Orange, se sont demandé si elles ne devaient pas également déployer, ou en tout cas aller plus vite dans le déploiement d'une offre satellitaire. Stéphane ? Oui, bah, en fait, c'est assez... Tu n'as pas l'air convaincu. Non, c'est pas ça. Pour moi, c'est comme c'est un complément. Donc déjà, un complément, une option, c'est pas 50... Ça doit être beaucoup moins, déjà. Mais c'est pour avoir lutté. Grégoire l'a dit, il faut vraiment avoir l'utilité. Il y en a quelques-uns qui ont les utilités. Moi, je pourrais juste dire deux choses. C'est que je ne connais pas les stats exactement, mais à l'époque où on m'en avait parlé, on avait, je ne sais pas combien, 97 ou 95 ou 98%, je ne sais plus du tout, du territoire français qui était couvert. Peut-être, je crois que c'est 95 de mémoire. Avec les 5% qui restaient, si on devait les couvrir, pour X raisons, ça coûtait aussi cher que les 80, et les couvrir et les maintenir, aussi cher que les 95%. Donc les opérateurs n'avaient pas d'autre choix, déjà, de s'allier ensemble pour pouvoir éventuellement faire un émetteur commun. Et souvent, on avait un émetteur, un nom un peu bizarre d'ailleurs, d'antenne. On n'était ni chez SFR, ni Bouygues, ni Free, ni Orange. On était sur un truc. Mm-hmm. Voilà. Donc quand il y en avait suffisamment de lobbying dans la région ou qu'un des patrons de ces opérateurs avait une maison de campagne, ça pouvait avancer. Et donc déjà ça, donc il y avait ces petites zones. Donc c'est vrai, est-ce que c'est vraiment une utilité ? Et l'autre point que je voulais évoquer, c'est quand même les nouveaux iPhones. Mm-hmm. Il y a eu quand même, lors de la dernière keynote la semaine dernière, quelques longues minutes sur cette innovation où pour la première fois, les téléphones seront compatibles avec des connexions satellitaires. Ouais. Ils ne ont pas dit que c'est avec Starlink. Ça m'étonnerait que ce soit avec Starlink, parce que je crois qu'Apple et Elon Musk, c'est pas... Non. Très bien, Tim Cook et Elon Musk passeront pas leurs vacances ensemble en Irlande. Donc voilà. Donc, ils ne se sont jamais rencontrés, d'ailleurs. Ouais, mais ils sont pas potes. Mm-hmm. Ah, voilà. Et donc, si les téléphones, déjà, permettront ce type de connexion, donc d'autres acteurs, peut-être Iridium ou d'autres historiques sur le satellite, pourront éventuellement s'engouffrer là-dedans. En fait, ce que dit Elon Musk, c'est que d'autres vont le faire. Donc, en gros, la connexion satellitaire va se généraliser. Mmh. Et donc, je pense qu'en effet, on n'aura plus de zone blanche. Ça sera très bien, parce que si on sauve une vie, parce que quelqu'un a été planté en montagne, eh ben, on trouvera cette innovation très bien, que ce soit utile ou pas utile. Moi, je pense que c'est quand même quelque chose qui aura... Et l'exemple qui a été justement dans la keynote, où on voyait quelqu'un perdu en montagne. Mmh. C'était un exemple de grande détresse d'une personne qui était toute seule. Donc, c'était vraiment en cas d'urgence, dans un premier... temps et pas encore pour remplacer les communications téléphoniques entre guillemets normales. Et je pense qu'au niveau prix, je pense que voilà, après, en effet, il y a un business model, il n'est pas un bon samaritain, il ne fait pas ça pour sauver la Terre, ce serait plutôt l'inverse, quoi. Pourquoi fait-il ça ? Mais c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant. Moi, je reste convaincu que c'est quand même une bonne nouvelle pour nous. Et il faut se rappeler quand même que les zones blanches, c'est un véritable fléau. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui aussi des plans gouvernementaux, notamment en France, qui tentent de mettre fin aux zones blanches. On a notamment vu leur impact pendant les tout premiers confinements du printemps 2020, avec du coup une véritable fracture numérique, fracture territoriale entre celles et ceux qui avaient accès à la fibre au débit pour pouvoir s'informer, pour pouvoir continuer aussi à maintenir l'école justement en ligne notamment, et celles et ceux qui n'y avaient pas accès. Et ça a créé un véritable fossé. Donc, c'est quand même une intention extrêmement louable. Alors, on l'a vu, en effet, Starlink et Elon Musk ne sont pas les seuls à se lancer, justement, dans cette mission. En tout cas, ça révèle une chose qui est absolument certaine. La connectivité, ce n'est plus une option, Grégoire. Ça, c'est évident. Ce n'est plus une option. Et s'agissant du marché B2B, donc professionnel des télécoms
auxquelles ce produit s'adresse en priorité, il faut savoir que depuis des années, c'est la vache à lait des opérateurs télécoms. Il y a eu plusieurs décisions de l'autorité de la concurrence qui a mené certaines ententes, notamment sur les prix. Il y a les pouvoirs publics qui ont incité des nouveaux acteurs, notamment un qui s'appelait COS, à rentrer sur ce marché pour essayer de créer justement de la concurrence. Donc, cette nouvelle offre va aussi peut-être faire boucher cette offre-là du marché professionnel des télécoms en tirant à nouveau les prix vers le bas, parce que c'est extrêmement cher. Il faut savoir qu'une box qu'on a, nous, et on a beaucoup de chance en France d'avoir ces box triple play, quadruple play, avec plusieurs offres qui nous coûtent une trentaine, quarantaine d'euros par mois. On voit aux États-Unis, c'est 100, 150. Et bien pour les pros, elles sont proposées à 80 ou 100 euros, alors qu'on est dans le même pays, dans le même marché. Donc, un, ça va pouvoir aider à lutter contre les prix chers dans le marché professionnel et sur les zones blanches, effectivement. La fracture numérique est quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Il faut absolument mettre en œuvre le plus de choses possible pour réduire cela, car un usage modéré et conscient du numérique reste un usage tout de même. Et le numérique apporte beaucoup de choses dans la vie du quotidien, et notamment sur l'éducation. Et de voir des gens qui étaient privés d'éducation à distance pendant le confinement parce qu'ils ne disposaient pas de la bonne connexion, de la bonne possibilité, c'est une très bonne chose. Après, si ça doit passer par des satellites et qu'on doit aider des communes de ruralité à payer ces abonnements-là pour pas que ça retombe sur les citoyens, mais pour qu'on puisse avoir un accès à l'éducation, ça c'est primordial. Absolument. Donc ça, c'est pour l'Internet satellitaire. Mais attendez, on parlait il y a encore quelques mois, on a fait des émissions sur plein d'antennes différentes, sur tous les bras de fer politiques, économiques, de soft power sur la 5G. Elle est passée où, cette 5G, Stéphane ? Elle se déploie gentiment. Moi, je sais pas. Moi, en tout cas, elle est devenue pour moi transparente. Mais c'est vrai que l'évolution, ce qu'on imaginait, que tout allait être 5G-isable avec tous ces objets qui vont être partout... Grâce à ce temps de latence que les autres n'ont pas, cette nouvelle aussi, ce nouveau protocole qui quand même est censé être moins énergivore, etc., etc. Mmh. Finalement, bon, ça va plus lentement que prévu. En tout cas, moi, c'est mon impression en tant qu'utilisateur attentif, parce que je suis quand même, peut-être pas un utilisateur lambda, c'est sûr. Et je pense que c'est pas la frénésie qu'on imaginait, que ça allait être la révolution. Maintenant, peut-être il faudra 10 ans, on attendra, on en est qu'à la deuxième année, quoi. Donc, je sais pas ce qu'en pense Guillaume. Mais, justement, on va se tourner vers un utilisateur, mais aussi enquêteur du numérique et de la 5G. On a fait des titres dans la presse. C'est sûr que ça a créé énormément de polémiques. C'était concomitant avec le vaccin. Donc on a expliqué que le vaccin nous a inoculé une puce 5G. C'est vrai qu'on n'était vraiment pas dans le rationnel qui concerne la 5G. Moi, je pense que les applications industrielles se déploient. On le voit sur certains ports, sur certaines usines, avec la connexion avec un taux de latence énormément réduit, divisé par 10, entre les robots. Tout ça, ça fonctionne petit à petit. Effectivement, pour le grand public, et c'est là aussi où les détracteurs de la 5G avaient un peu raison, c'est-à-dire qu'on cherchait peut-être à nous survendre une technologie pour le grand public, alors qu'on avait quand même des technologies hors zone blanche qui fonctionnaient bien, en tout cas en France. Eh bien, on n'a pas vu de grands changements pour l'instant. Grégoire, cinquième génération de réseau, est-ce qu'il faut essayer de retrouver la raison, ou est-ce qu'il faut retrouver la raison en matière de 5G ? Énormément de débats, on a couché d'une souris. Je pense qu'il y a vraiment eu une erreur de communication flagrante. La 5G, c'est une innovation incrémentale. Ce n'est pas une innovation de rupture. C'est une 4G un peu mieux. Et donc forcément, ça améliore des choses, mais qu'on ne voit pas. Et donc les gens, on en a parlé comme cette innovation de rupture, avec du coup les peurs qui ont été créées, et d'ailleurs qui ne sont pas toujours résolues, parce qu'on augmente ces nouvelles normes et ces nouvelles générations d'ondes, et on n'est pas certain d'avoir un vrai recul sur ce que ça fait sur le corps humain. Il y a un vrai flou là-dessus, donc on a fait peur aux gens. Il y a des inquiétudes qui ont été créées parce qu'on en a trop parlé, et derrière, ils n'ont pas eu un avantage pour eux immédiat important. Donc je pense qu'avant tout, il y a une vraie erreur de communication. Il aurait mieux fallu y aller doucement, en peut-être testant à des endroits, et pour parler une fois qu'il y avait des choses qui avaient été radicalement modifiées grâce à la 5G, dans les ports, etc., en parler, mais après coup. Parfois, il faut mieux d'abord faire et après raconter que l'inverse. Oui, il vaut mieux tourner 7 fois son pouce avant de tweeter, si je te comprends bien. Notamment. Ou de communiquer sur la 5G, effectivement. Absolument. En parlant de corps humain, je précise quand même sur ce plateau que Guillaume Grallet n'a absolument pas été endommagé. On n'a pas cassé son poignet, vous le voyez depuis le début de cette émission, notamment avec un bandage autour de la main. Je voulais juste que tu nous dises pourquoi tu as ce bandage, parce que là aussi, ça va être intéressant.
Alors, j'ai un bandage, c'est pas pour. C'était Bernard Ménez, non, qui avait un petit bandage sur le doigt. À la poupée. À la poupée, voilà. Mais tout à fait. Non, c'était parce que j'aime beaucoup Bernard Ménez. On a toutes les références sur ce plateau, vous le voyez vraiment, on vous épargne rien. Voilà, donc. Oh, jolie poupée sur mon doigt coupé. Voilà. Vous avez mis la chanson dans la tête. C'est beau, vous l'avez pris. Très rapidement, avec Marjorie, on est allé. Très simplement, avec Marjorie, on est allé à une conférence il y a quelques années, à Paris, à la Gaîté Lyrique, où en fait. Un mouvement qui s'appelait le mouvement des biohackers, expliquait à quoi pouvait servir, avec des applications très concrètes, notamment pour ouvrir une porte, pour signaler par exemple son groupe sanguin, signaler les personnes à contacter en cas d'urgence. Eh bien, ça pouvait être bénéfique d'avoir une petite puce et que ça ne représentait aucun danger dans la main. C'est ce que j'ai accepté de faire après la conférence. J'en ai pas souffert du tout. J'ai pu rentrer quelques informations. Ça n'a pas changé ma vie. C'est comme la 5G. Mais à un moment, je me suis dit que j'allais l'enlever, donc je l'ai enlevé. Voilà, Guillaume Gralet a enlevé. Donc je n'ai plus de puce avec moi. Absolument, il n'est plus pucé. Oui. Voilà, pas de mots, pas de non, mots, non, pas de non, non, okay. non, j'aurais pu, mais je m'épargnerais. Je dis, voilà, entre les deux, quand vous allez dans un truc, donc il y a un qui prend des risques, l'autre moins. Donc... Complètement. Ah, j'étais d'une lâcheté absolue. J'ai juste regardé Guillaume Gralet, voilà. Se faire biohacker, puisqu'il faut le dire comme ça. C'est exactement ça. Mais voilà, merci en tout cas. Je voulais juste m'assurer que tu ne t'avais pas maltraité en plateau. Merci en tout cas, les amis, d'avoir fait un tour du côté du Club de l'Actu de l'École du Futur. Merci à Grégoire Kopp, tu étais en duplex avec nous depuis Marseille. Merci à Stéphane Zibi ici sur ce plateau et merci comme toujours à Guillaume aussi pour l'École du Futur. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode.